Hey yo tout le monde les frérots, c'est Kigounin, j'espère que vous allez tous très bien, comme d'habitude. Aujourd'hui les potes, vidéo un peu particulière, vous le savez, on a reçu deux superbes écrans de la part de BenQ. On a reçu des écrans BenQ Mobius EX2510, le lien des écrans est en description. Ces écrans sont faits spécialement pour le gaming, vous avez 1 milliseconde, 144Hz, 24,5 pouces pour la taille et dalle IPS pour les couleurs. Moi les gars, je vous laisse sans plus tarder sur le gameplay, on a fait une game de solo duo pour vraiment tester l'écran au maximum. Je vous retrouve en fin de vidéo pour vous donner mon avis global sur l'écran, ses bons points, ses mauvais points. Sur ce, les potes, Kigounin. J'espère que vous kifferez le gameplay et on se retrouve en fin de vidéo. Éliminez toutes les cibles dans la zone des opérations. L'ennemi dépose des opérations. De la merde. XM4 pire rarement, vraiment à chier. En fait t'as l'impression que tu fais pas de dégâts quoi. Horrible. Y'a pas une petite phare là au sol? Merci, séance de mort, beaucoup trop fort. Bon, il en avait un aussi, sans regret. Sans rancune. Sans rancune, BG. Classe autoréa drone. Envoyez un dispositif de reconnaissance. Un drone arrive sur zone. Il se rapproche. L'appareil qui passe pas, faut en parler. Camper c'est mal. Hop. On est pas mal. Et il y a tellement de séances de mort dans le jeu maintenant, c'est horrible. Il y a que de ça, des séances de mort partout. On joue à Warzone Dead Silence. Incroyable. L'état du jeu à chier, mesdames et messieurs.
Envoyez un dispositif de reconnaissance. Un drone arrive sur zone. C'est reparti pour un tour, mesdames et messieurs. Le silence de mort qui est déployé par la pavillon français. Salut ta pa... Salut, c'est moi, Choupi. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Ils sont trop mignons là-haut. Tu sais, ils veulent pas se montrer, mais ils essayent quand même. On va aller leur dire bonjour. Drone ennemi au-dessus. Il faut toujours saluer ses voisins. Certes, avec des armes, c'est un peu violent, mais il faut les saluer. On va monter par la tiro, mettre le drone avant. Envoyer un dispositif de reconnaissance. Un drone arrive sur zone. Ça devrait passer. Normalement, il a pas le visu où il est. C'est quoi bouger, mon ref, hein. Approche de votre position. Traite-moi ton live, fils de pute. Oui, allez, traite-moi de fils de pute, frérot. T'as allé attendre autant que moi, de toute façon. T'as allé attendre autant que moi, donc je vois pas pourquoi tu m'insultes, en fait. On jouait de la même manière, juste était meilleur, j'avais la hauteur. Car Warzone est un jeu, tu dois prendre la hauteur, frérot, t'as aucune raison d'insulter, en fait. Moi, je suis solo, vous êtes deux. That's life, man. Si t'es pas content, va jouer au Lego. Besoin de reconnaissance sur ma position. Un drone arrive sur zone. Non, les mecs au top, on va les abandonner. Un drone arrive sur zone. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Pas mal. Je vous ai précisé un truc, les potes, on est bien en serveur EU, hein, voilà, Tour Centre Val de Loire France, hein, au cas où. Avant qu'on me dise Kigoun, les serveurs Égypte, on connaît. Tu te tais, Timothée. Eux, ils campent pas de le... ils descendent pas de leur tour, hein. Eux, vraiment, ils sont décidés de s'installer, l'attente Quechua. Le barbecue, brochette de viande, merguez. On est bien quoi là où. On est bien quoi. Incroyable.
Ça mange de la giga saucisse dans la tour. Hein. Conduit. Contrat de prime identifié. Hop. Poupoum. D'où est-ce qu'il vient le Brother Faisal là? Gaz en approche. Nouvelle zone de sécurité identifiée. J'ai vu personne sur le top. Besoin de reconnaissance sur ma position. Un drone arrive sur zone. Attention. Qu'est-ce que tu fais, man? Retour à la base pour ravitaillement. Il s'était planqué dans le buisson, je l'avais pas vu au premier abord. J'ai besoin de reconnaissance sur ma position. Il était à la fois honteux et incroyable. Le campeur de l'extrême, il s'est dit, je suis dans la merde, le buisson. Il n'a pensé à rien d'autre. Le buisson était sa solution. On va pinguer ça. Y'a un mec sur la route. What? Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. En volant. Ok. T'es perdu, Timothée? T'as perdu tes parents? Timothée est demandé à l'accueil de la caisse 5. Je répète. Attends, Timothée, je dois te finir pour le bien de l'humanité. Voilà. J'ai tellement laissé une balle, frère. Et où est-ce qu'il est, lui? Incroyable. Vous allez devoir éliminer la cible mise à prix. Sur ma position. Un drone arrive sur zone. Il va passer à gauche. Et s'il passe à gauche, il se passe quoi le chat? Il est open field. Voilà. Hop, ça c'était calculaté. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base. Je change de position. Oh, ils vont être horribles à jouer. Hein. Même pas j'y vais. Même dans mes rêves les plus profonds, j'irai jamais. J'ai besoin de reconnaissance sur ma position. Un drone arrive sur zone.
J'hésite, hein. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, quoi. Non, c'est plus la merde. Par contre... Attention, le drone n'a plus de carburant. Drone ennemi au-dessus. Drone ennemi au-dessus. Ouais. Toi, par contre, tu me plaisais bien. Il y a même par là. Je me dirige par là. Besoin de reconnaissance sur ma position. Un drone arrive sur zone. Attention, le gaz se rapproche. Hop. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Je perds des balles inutilement. Par contre, on sait que ça va être par là, du coup on va prendre la hauteur ici. Et on va les attendre. Parce que eux, ils vont venir en diagonale, donc j'aurai forcément l'info. Et qui dit info, dit un fight facile normalement, surtout que j'aurai la hauteur. On sait que ça reste derrière, mais là c'est pas important. Il faut que j'encaisse au moins un. Une équipe ennemie vous a dans son collimateur. Putain, c'est un culé de... Salut, c'est moi. Ça vient de la droite. C'est terminé. La zone est sécurisée. Il y avait eu la res, hein, donc il y a forcément du monde. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Beaucoup de Français qui jouent à 4h du matin. Largage tactique allié imminent. Je sais que j'ai une team para, donc là j'ai pas de raison de ne pas lâcher la pause. Ça me fait 2 kills gratos vu qu'ils doivent passer open. J'ai marqué une cible. J'y vais. J'ai marqué une cible. Je vais tirer dans le back. Poupoum. En vrai, on va juste tempo un petit peu. J'ai une bonne game. On peut faire top 1 si je fais pas de la merde. On sait qu'il y a une team là-bas, il y a une team là-haut. Il me manque 2 teams. On va voir une team par là en vrai. Hein. J'ai pas checké de la game. Nous on va tempo. On n'a pas de raison de push. Dans le top 5, vous allez y arriver. Son move était débile, hein. Il aurait pu me tuer 2 fois d'affilée. J'ai pas compris pourquoi il a pas tiré avant. Du coup, il y a un mec qui est passé là-bas. Le skin de Rosemar qu'on voyait sur le top. Donc là, je suis en 1v2v, il y a une team là et une team là-haut. Normalement. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Oui, sa mère. Trop facile.
C'est eux qui ont l'info sur moi, mais vu qu'ils sont côte à côte, ils vont devoir se jouer normalement. Et moi, je vais récupérer les miettes. Donc bon. Donnant. On va aller bordure de zone, vérifier qu'il n'y a personne de notre côté, mais normalement, les deux teams vont jouer entre elles, vu qu'elles sont côte à côte. Et nous, on est bien placés pour la fin, quoi. Toi, t'as fait une grave erreur. C'est de penser que j'étais nul. T'es en train de se fight. On va prendre la droite. Ça a mis un airstrike. Gagné. Petit top à 29 kills les bros, let's go. GG's guys, have a good day. 29 kills top 1, 8188 de dégâts les potes, let's go. Et tout ça évidemment les potes, je le précise, sur serveur EU. Voilà. Du coup les potes, on se retrouve en fin de vidéo comme prévu pour mon avis global sur les écrans. Déjà il faut savoir que j'ai reçu deux écrans il y a deux semaines, j'ai reçu celui-là pour la PS4 et un autre pour le PC. Franchement les gars, au bout de deux semaines d'utilisation quotidienne et journalière, j'ai eu zéro souci avec les écrans. Vraiment les écrans sont nickel. Franchement j'ai rien à dire. La dalle IPS pour les couleurs, elle est folle. Faut savoir qu'avant je jouais avec des dalles TN, donc la différence de couleur elle est flagrante et franchement pour game c'est magnifique. Ensuite 24,5 pouces pour la taille, pour moi c'est juste parfait pour jouer. C'est ni trop grand ni trop petit. Ensuite, le design, il est simple, mais il est cool. On peut voir que les bords d'écran sont assez fins, comparé au BenQ L2411P qui sont assez larges. Rien que ça, les gars, pour jouer, c'est assez immersif, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, suite à cela, pour le HDRI, franchement, les images sont extrêmement propres. Là, on peut voir que j'ai un petit menu qui s'affiche. Alors là, les gars, on a plein de modes de couleurs différentes, comme on peut le voir. On a FPS, cinéma, HDRI, game HDRI, on a le HDR, on a le e-paper, on a le M-Book, le sRGB, le standard, le Racing Game, le RPG, le FPS, moi je me sers du FPS. Les écrans sont également munis d'un haut-parleur. Honnêtement, j'ai testé le haut-parleur hors stream. Si jamais vos écouteurs ou vos casques sont morts, le haut-parleur fait largement le taf. Ils ont vraiment mis un point là-dessus. Dans l'absolu, si vous avez rien sous la main, croyez-moi, c'est quali. Du coup les potes, le lien des écrans est en description. N'hésitez pas à aller checker les gars, c'est les Mobius EX2510. Moi les potes, sans plus tarder, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous avez kiffé la vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. Passez tous une excellente journée les bros.